Je suis Stéphane Allaire, président fondateur de Reforest Action. En 2021, les forêts du monde sont à un tournant historique. La déforestation continue de faire rage partout dans le monde, à un rythme de 10 millions d'hectares déboisés tous les ans, alimentant ainsi le réchauffement climatique. L'humanité se dirige à des augmentations de température comprises entre 3 et 7 degrés de plus d'ici 2100. Plus que jamais, il est urgent de réduire notre empreinte écologique. En 2021, l'ONU lance la décennie de la restauration des écosystèmes naturels. Les forêts y tiendront une place centrale car elles filtrent 75% de l'eau accessible à l'humanité. Elles sont le plus grand puits de carbone terrestre et le principal foyer de biodiversité sur Terre. Elles sont aussi un rempart contre les pandémies et fournissent l'énergie à 2 milliards de personnes dans le monde. Les forêts sont à elles seules un pilier de nos sociétés durables et désirables. Un moyen de vivre en harmonie avec la nature et un moyen de vivre en paix entre les nations. En 2021, je souhaitais rappeler cette évidence. Protection et restauration des forêts vont de pair. Protection des écosystèmes forestiers existants et restauration massive et de qualité des forêts dégradées ou disparues. Ces deux actions, intimement complémentaires et toutes deux urgentes et nécessaires, apporteront ensemble une réponse concrète aux enjeux climat et biodiversité. Depuis plus de 10 ans, Reforest Action restaure des forêts multifonctionnelles en s'appuyant sur la diversité des essences et dans le but de développer les services écosystémiques et de renforcer leur résistance face aux aléas naturels. Notre ambition pour les 10 années à venir, protéger, restaurer, planter 1 milliard d'arbres partout dans le monde avec le soutien inestimable de nos porteurs de projets sur le terrain. Alors ensemble, relevons ce défi. Contribuons massivement et collectivement à la protection et à la restauration des écosystèmes forestiers planétaires. Parce que plus que jamais, notre avenir s'appelle forêt.